Bonjour à tous, c'est Maître Apnema de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une solution sur le sanctuaire de l'Enise. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Ils ont fait en sorte que ce soit imprononçable, les sanctuaires dans Tears of the Kingdom. Allez, c'est parti, donc on place cette première structure en biais. Hop, ici. Ensuite, on va aller taper ce plot pour donner l'impulsion à la sphère. Voilà, ça va ouvrir la deuxième porte. On reprend une plaque. Hop. On va aller coller les deux ensemble. On récupère ce qu'on a collé pour faire une passerelle. On va aller chercher le coffre qui se trouve là. Un bouclier. Bon, je vais garder. Allez, un coup de paravoile. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, j'ai mis la paravoile des Gerudo d'Urbosa. Allez, un nouveau collage. Sorte de hop, encore une fois pour donner l'impulsion, tout simplement. Et voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.